Salut tout le monde, Markcraft ici et de retour avec un nouvel épisode de Terraria. Et aujourd'hui, on va faire nos premières étapes du mode Hard Mode. On va aller détruire nos Demon Altar, on va se faire une attaque de gobelins, voir si on est capable de tuer le nouvel ennemi pour avoir du nouveau matériel. Et sinon, on va aller miner pour les nouveaux minéraux. Là, avec le Wall of Flesh, on avait certains minéraux de base. Donc, je peux me faire un enclume en orichal ainsi qu'un repeater en orichal. Je pense que c'est la première fois que je me fais un repeater. Fait que j'ai aucune espèce d'idée si c'est des bonnes armes. Mais je voulais continuer à me battre avec des armes de Ranger vu qu'on avait eu l'emblème. Fait que je vais pouvoir aller upgrader ça et aller upgrader aussi le truc qui fait en sorte que notre pointeur fait plus de dégâts. On a aussi crafté avec le paladin qu'on avait notre première pioche parce qu'on en aura besoin de ça pour miner l'orichal. Et on va miner pas mal tout ce qu'est-ce qu'on trouve parce que là, dans le fond, la première armure que je suis en train de me faire, moi la faire, fait que si c'est de l'orichal, ça va être de l'orichal, sinon ça va être de la palladium, ça va dépendre vraiment de notre chance. Et en regardant un peu autour de ma base, j'ai réalisé qu'à notre droite, on arrive très rapidement dans un monde purifié, si ma mémoire est bonne, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce qui est très bon, c'est une très bonne chose, qu'il soit pas très loin, pour deux affaires. Ok, on est là autour des momies, guys. Fait que, ouais, c'est une très bonne chose, parce que je préfère avoir ça que la corruption. Et de deux, on va avoir pas trop de misère à trouver des fées, parce que dans le fond, il nous faut de la poussière de fées. Parce que la première arme que je veux me crafter, c'est le Meteor Staff qui nous fait apparaître dans le fond des météorites. C'est une arme magique. Ça fait apparaître des météorites au-dessus de notre curseur. Et c'est probablement le meilleur choix d'arme que l'on a pour battre le Vent mécanique. Fait que c'est... On est des... Oh, what the fuck? What the hell? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Alright, ben nouveaux ennemis, nouveau comportement qu'il va falloir qu'on comprenne. Et parlant d'araignées, je pense que ça aussi c'est quelque chose qui serait utile d'aller faire assez rapidement, aller dans une caverne d'araignées, aller en tuer parce qu'il nous faut des dards. Parce que les marchands d'araignées nous donneraient un summon, le premier summon de ce mode là, qui valent la peine. Fait que ça aussi on pourrait aller faire ça. Il me faut 10 poussières et ensuite de ça il va falloir qu'on aille underground parce qu'il va nous falloir des cristaux. On en a juste eu 7 avec le Wall of Flesh, il m'en faut une dizaine. Mais avant d'aller underground pour aller chercher ça, on va aller détruire les Demon Altar. Le plus vite qu'on fait ça, le mieux c'est. Parce que c'est pas mauvais les repeaters. Ça attire quand même assez rapidement. Je sais pas, c'est précis, c'est rapide. Je sais pas c'est quoi l'avantage. Par contre, c'est peu pas si les deux armes existent. Les arcs à flèches puis les repeaters, si les deux existent, il doit avoir un avantage d'utiliser un ou l'autre. Fait que je sais pas c'est quoi la différence. Si quelqu'un s'y connaît un peu plus que moi avec les repeaters, c'est juste me le dire, c'est quoi la différence entre ça et l'arc. Le seul problème avec la position de ce monde-là, c'est que j'ai pas vraiment de grotte à proximité. À guess que je pourrais aller creuser dans cette section-là, aller chercher ce qu'on a de besoin. Pas qu'il y a une fille qui me suit jusqu'ici. C'est quoi son problème? Allons-y. Va falloir juste qu'on s'en garde quelques-uns pour pouvoir se crafter du matériel au besoin. Fait que je pense qu'on va toutes les détruire sauf un que je vais garder à l'ouverture de la grotte. Donc c'est lui, mettons ici là, on va pas le casser. On va casser les autres, mais pas celle-là. C'est bon, il y en a vraiment pas. J'en ai pas croisé beaucoup. On dirait quasiment qu'il y en a déjà des pré-cassés. Je sais pas si si c'est quelque chose qui peut vraiment être fait là, dans les modes là. Parce que j'en ai cassé 3, il y en a un là, je tente pas d'éliminer. Ça fait 4, j'en ai eu un 5e. Ici que j'ai décidé de garder pour si j'ai besoin de crafter des choses en l'utilisant. Ça se peut-tu? Je peux pas juste avoir ça, c'est impossible. J'ai-tu une deuxième zone de même? Ok, ouais, on a une deuxième zone à l'autre bout, on va y aller voir. Parce que l'alchimiste nous vend aussi du nouveau matériel avant ça, je les aurais achetés au lieu d'aller me battre là. Puis en plus je peux m'acheter des cornes de l'unicorne, ça c'est le fun. Du corps, du Curse Flames. Fait que j'ai pas mal tout le matériel. Si jamais je veux me faire encore le lance d'or que le coffre, le mimique de corruption nous donne, qui est une très bonne arme. Bon moi j'ai tout le matériel pour me faire des balles.
Ok, donc la zone ici est la zone corruption. On s'en doutait un peu si à droite la zone corruption n'avait pas l'air de grossir. C'était normal que ce soit ici. Qu'il y ait de l'ennemi. On va se prendre nos affaires. Se battre un petit peu. Parce que c'est juste une question de temps avant que cette base-là soit plus utilisable. On va sûrement être obligé de déplacer nos personnages. Hey, on va pouvoir enfin se passer nos boules de spike, on en aura plus besoin. Parce que si j'ai encore besoin de ça pour sauver, il y a un maudit problème. Oh fuck, un mimic! Oh god! Oh god! On décalisse! On décalisse! Là! Oh fuck, 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 fuck! C'est sûr que je meurs, c'est un mimic, Astic! C'est sûr qu'on meurt! C'est sûr que je meurs! Je suis coincé entre des flammes! Bon, enfin, j'en ai brisé quelques-uns, je suis pas sûr que j'en ai assez. Pour aller au moins faire ce qu'on a besoin de faire. La mauvaise nouvelle, le sorcier ne donne toujours pas de table pour faire apparaître un deuxième minion. Et je pense que ça va juste jamais arriver, je suis pas mal sûr. Fait qu'on n'aura jamais deux minions à moins que je me paye des potions. Et personnellement, en ce moment, je ne le fais pas, je vais garder mon argent pour d'autres affaires parce que je sais très bien qu'on va en avoir besoin pour d'autres choses. On va devoir s'en sortir, ça. Ok, ce que je vais faire, c'est on va miner dans ce coin ici. Je crois avoir une grotte dans ce coin-là. En tout cas, à date, ça s'enligne bien. On va se mettre des torches. J'ai vu qu'on avait du palladium direct ici. Fait qu'on va... Je peux-tu juste le miner? Puis... Non, j'en ai juste deux. Fait qu'on va creuser un peu. Est-ce que c'est censé être Navy de Zelda, le son café là, qui font les filles? C'est vraiment ça la vibe que j'ai. Oh wow. Okay, cool, ok, c'est bon, on a peut-être également une cote. Yo, que vous êtes fatigant par contre. Ouais, ok, c'est vraiment censé être Navy de Zelda quand on l'attaque. Si vous pensiez que Navy était fatigante ou Navy, je sais, comment est-ce qu'on prononce son nom? C'est-tu Navy ou Navy? J'en ai aucune espèce d'idée. Ok, la corruption s'en va aussi vers la droite, fait qu'ils ont dû vouloir se déplacer. Fait que j'ai plus de campement à droite, m'a plus de n'avoir à gauche en très peu de temps. Ça va être génial tout ça. Ça, c'est le gros défaut, je trouve, de Hard Mode. Est-ce qu'on est obligé de plus avoir aucune maison pour aucune affaire de téléportation de nulle part? C'est vraiment fatigant, ça, quand ça arrive. Oh, what the fuck? What the fuck? La gravité est inversée, mais il n'y a pas de cooldown. Je sais pas, pantoute, c'est quoi qui cause ça. C'est un peu fatigant. C'est vraiment fatigant. Ok, fait, voilà ce qu'on cherchait. C'est des ennemis roses. Je vais aller vers la gauche et non vers la droite. Parce que je sais que vers la droite, c'est un désert. Puis les ennemis dans le désert, je veux rien savoir de ça. Ils sont tough as fuck. Ouais, ils sont tough as fuck. Même si ça m'aiderait d'y aller. Mais bon, dans le fond, il nous faut des armes de lumière. C'est ça qu'on vient chercher. Oh my god, c'est flippant, man. Et c'est même pas un pun que j'essaie de faire, c'est vraiment juste flippant. Bon, fait que j'ai pas eu d'armes de lumière. Il y a aussi des cristaux dans ce coin-ci. Oh my god. En plus, j'ai l'impression que c'est même pas un ennemi qui doit faire ça. C'est juste comme la zone. C'est la zone en tant que telle qui fait ça. Comment je suis censé me retrouver? C'est de la vraie merde. Je suis capable de miner ça. Oui! That's it! Oh my god, que j'ai ça, je veux mourir, mais je veux pas mourir parce que j'ai besoin des choses ici. Mais je veux mourir, on se comprend. Oh my god, ta gueule, dude. Nice, lampe de lumière, bon. Elle est fatigante, mais au moins elle m'a donné ce que j'avais besoin. C'est quoi cette bébelle-là? Un gastropode, c'est quoi un gastropode? Tu vois, moi, les ennemis aussi étaient affectés par la gravité, mais non, les ennemis sont à l'envers de nous autres. C'est un peu fatigant, l'eau est à l'envers de nous autres, tout est à l'envers, c'est ça qui est de la merde. Tu sais, tu peux t'habituer à, tu sais, au final, c'est pas compliqué, tu mines vers le haut, il y a une minée vers le bas, fine, whatever, là. Quand la gravité a switch, oui, c'est un peu bizarre au moment que ça arrive, mais une fois que tu t'habitues, c'est pas si pire, là.
Mais que les ennemis restent à l'envers, ça par contre, je suis pas capable de m'habituer en ce moment. Mais on va devoir retourner où est-ce qu'on était parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis. Et au final, c'est rien que ça qu'on veut. On peut juste tout tuer parce que il faut des armes. J'en ai-tu une? J'en ai pas eu une seule. Il y avait genre 6 ennemis. Il me semble qu'on n'est pas si profond que ça pour qu'il y ait déjà de la lave. What the f... Wow, 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 what the fuck? What the hell? Je suis téléporté comment? Je peux-tu juste avoir... Oh my god, que c'est fatigant ça! Je peux-tu juste avoir mes choses? Non! J'ai miné des affaires! God damn! God damn! God damn! Ah! C'est ces petits bonhommes-là, les estimes moines! Oh my god! Ok, il y en a donc ben! Mes minéraux sont là! Je veux mes minéraux! Ah! Blablabla. Ok, j'ai eu tellement rien en mitrine, j'ai eu un bloc, c'est n'importe quoi. J'ai 54 barres. Et 12 plus 24, ça fait 36, plus 18, ça fait 54 piles. Ok, fait qu'on va se faire un matériel en palladium. On va se faire matériel de range, I guess. On est pas mal rendu à faire ça. C'est sûr que... T'es-tu sérieux? J'ai une meilleure armure avec l'autre affaire. Meurs, meurs, meurs. Oh my god, il y en a combien? Combien est-ce qu'il y en a, dude? Combien est-ce qu'il y en a, man? Oh my god, combien est-ce qu'il y en a? Puis c'est dangereux, ces affaires-là. Oh god, puis c'est ces affaires-là qui nous téléportent. Fatigant. C'est fatigant. Asti. Oh my god. Oh my god. Ok. Là, le jeu, il est plus jouable. C'est ça que t'es en train de me dire, là. Oh my god, là, il y a une licorne! Il y a une licorne! Mmh! Et j'ai pas eu une seule des affaires que j'avais besoin. C'est génial, ça. C'est vraiment génial. Au moins, on a ça. Fait que ça fait quoi déjà? Ça augmente les dégâts. Ouais, ça augmente les dégâts de magie. C'est super le fun. Oh my god, j'étais tombé rendu loin. J'étais ici au départ. J'ai regardé où est-ce que j'étais rendu à la fin, man. J'ai comme téléporté all over the fucking place. Il doit y avoir un objet qui me rend immune à ces affaires-là, là. Ça n'a pas de saint bon sens. Oh my god, que c'est fatigant, man. Oh my god, dude. Ok, là, j'ai compris. Je vais aller faire autre chose. God, yes. Ah, ta gueule, c'est-tu que t'es fatigante? C'est la quantité d'ennemis qu'il y a dans mon écran, man, c'est n'importe quoi. Je vais éliminer ailleurs. C'est sûr. Je veux juste des armes de lumière. C'est ça que je voulais. Là, pour les boss mécaniques, le plan est assez simple. On va mourir. C'est ça le plan. Ah, c'est que c'est fatigant, man. Les astuces de gravité qui switch à tout bout de champ. Si au moins c'était juste la gravité. Non, faut aussi que... Je me fasse téléporter à gauche puis à droite, puis faut que la gravité change pas juste une fois. Non, 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 ben non. Hey, ça serait bien trop facile, tu sais, faut qu'elle change la répétition, you know? Vas-y ça, le plan là de... Mon plan de match pour les... Tabarnak. Pour les boss mécaniques, c'est que je vais aller chercher l'armure, la meilleure armure possible avant même de tenter quelque chose. C'est sûr que, tu sais, pour les shots que les boss apparaissent tout seuls, ouais, tu m'as quand même essayé. Si je considère que j'étais en bonne posture de tenter un boss, je vais le faire, là. Ah, deuxième microphone. Yay! Est-ce que... Immune to silence, est-ce que ça fait aussi fermer la gueule au freaking pixie dust, au fucking fin de marde? Ta gueule! Ta gueule! Oh my god. Oh my god, que c'est fatigant! Oh my god! Oh my god, Daniel! Ah, en plus j'arrive dans la bonne zone, je commence à avoir des cristaux aussi boire. Fait qu'on va activer les pièges.
Oups, je viens de causer la mort de quelqu'un. De deux personnes même, je pense. Non, juste un. Pas super, juste un est mort. Fait qu'on va faire... On va enlever... On va remettre les plateformes pour que le barman puisse revenir ici, là. Hey, tassez-vous de là, man. Ok, fuck you, le magicien, là. T'avais juste à t'enlever. Fuck off. Il y a des bonhommes de neige qui traversent les murs. Comment je suis censé gagner contre des bonhommes de neige qui tirent au travail des murs, moi qui tombe dans la lave, puis des bonhommes de neige qui traversent d'autres. Explique-moi ça, là, je suis gelé ben raide, c'est super. Mourez donc, ow, fuck, fuck, hell, shit, shit, shit. Ça va être la merde, Hard Mode. Ça va être la merde. Mourez toutes, ah, j'étais curé de vous autres. Tain, des flèches en étoile, manger de la marde, j'ai curé, il est temps que j'utilise mes bonnes armes, mes bonnes munitions. Faut tuer Mr. Stabby, tout le monde, si vous me donnez le couteau. Ah, oh non, dis-moi pas que c'est pas un couteau que ça nous donne, je pense que je viens de voir. C'est une putain de carotte. Oh my god, que je m'en crisse. Bon, c'est fini, nice. On va tuer les derniers. Fuck you. Je sais pas c'est quoi cette affaire là, mais... Ah, oh, man. Je suis mort genre 4 fois, je pense. Ok, fait que là... Ah, shit, c'est vrai, le guide est mort. Fuck, le guide est mort. Le guide est mort, vive le guide! Au moins ici, je suis pas en train de mourir à toutes les 2 secondes à cause d'un paquet d'ennemis qui me téléportent à des places ou ben non, qui me flippent de bord. Je suis sûr que... Il doit avoir des potions, il doit avoir des... C'est pas des potions, un accessoire qu'on peut avoir qui s'empêche de se faire flipper de même. Il va me le falloir parce que, caillé, que c'était le bordel tantôt. Pas là à l'avoir rien vendu d'utile ici. C'est quelque chose d'utile ça? C'est du plomb? C'est du plomb? Ouais, c'est du plomb. Encore lisse. Hey, nous gâchons tout le monde! Je suis content! Est-ce? Alright! Fait 40. Je suis rendu à combien moi sur moi? 151. Fait qu'est-ce que je pourrais retourner à la base, faire fondre tout ça? Me faire une meilleure pioche? Venez miner ce qu'on trouve. Ouais, on a quelques bouts de trucs rose, mauve, je me souviens plus du nom là. Alright, fait qu'à cette heure, on peut miner de l'adamantite, c'était ça le nom du truc que je me souvenais plus. Et j'ai pas assez pour me faire une armure. Fait qu'autant, m'a gardé mon matériel pour l'instant, parce que si je trouve beaucoup d'adamantite, je pourrais basiquement juste... skipper cette étape-là, puis juste me faire la meilleure armure possible. Et là, je vois qu'on peut se crafter un Jelly Crystal. On va le faire. On va le mettre dessus dans notre coffre, parce que, comme l'impression que si on est capable de la battre, ça va être rough, je suis très conscient de ça. Ben, on va pouvoir, hein? Non, je suis pas sûr que c'est là-dedans qu'on va trouver tout le matériel qu'on a besoin, là, les armes de lumière et toutes ces affaires-là. Là. Bon retour tout le monde, donc l'avancement en ce moment, on va finir l'épisode avec un test. J'ai actuellement fait l'armure d'adamantite et j'ai fait un repeater en mitrine, il manquait du matériel pour faire celle en adamantite, c'est pour ça qu'il est pas fait, mais on va le tester anyway. J'ai réussi à faire aussi le Godly Meteor Staff. Ce qui se passe, c'est que quand on descend l'ascenseur pour aller en enfer, qu'on arrive à peu près ici, on a une zone de lumière. Fait que, est beaucoup plus facile, beaucoup plus dégagé que qu'est-ce qu'on essayait de faire plus tôt. Fait que c'est beaucoup plus facile à cette heure de le faire de même. Sinon, on va faire un test. On va essayer de se battre contre la Queen Slime. Là, mon idée que j'ai en tête, on va faire une tentative avec... l'armure que j'ai en ce moment pour avoir de la vie un peu partout sur la plateforme et une deuxième avec l'armure d'adamantite. Là j'ai un doute entre
y aller avec la magie avec mon meter staff ou y aller avec le range avec le repeater. Je vais essayer avec le meter staff. C'est pour ceux qu'on s'est fait un mana flower. Qu'est-ce que ça fait ça dans la vie? C'est que ça prend nos potions de mana automatiquement. Donc je vais me faire un refill parce que c'est sûr qu'on va probablement drainer nos potions assez vite. Fait que 133 potions devraient être correctes. Et comme vous pouvez voir, on a réussi à avoir des tables pour avoir des alliés, des minions avec nous autres. Parce qu'enfin, ils nous en vendent. Fait qu'on s'en est acheté 5. On va en mettre une à toutes nos bases. Et sans plus attendre, l'épisode est assez long de même. On va aller essayer ça tout de suite. Je vais juste me faire... me crafter des choses pour me faire des plateformes. On va en prendre 3. Puis on va aller... on va aller dans la zone de fée. Je vais tester ça tout de suite. Donc sans même se faire une grosse base là, on va juste mettre des torches. Puis on va essayer tout de suite là. Je m'attends pas à survivre. C'est pour vous donner un petit avant-goût. Les prochains épisodes, on va se forcer un peu plus pour tuer la Queen Slime. C'est vraiment juste pour se donner un avant-goût de qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cette difficulté-là. Déjà qu'elle est quand même dure. Et comme il est dur à faire ce boss là, mais moi je l'aime, j'aime l'utiliser, sa monture était 40 je trouve. Fait que ça va, on va tout faire pour s'aider. Et je pense qu'on va ditcher nos bottes fusées pour le collier, puis on va se battre avec notre Rudolph ici. Let's go man, et où? Ok, elle s'en vient, elle est en bas. Alright, ici. Fait que Mirror Staff for the win. Oh my god, je vais éclater déjà. J'ai déjà perdu toute ma vie. Ok. Ok. Donc ça a rien donné. J'ai eu une seule canne de bonbons. Une seule canne de bonbons. Ça a valu la peine de faire un test de même. Fait qu'on va y aller tout de suite avec la nouvelle armure à la place. Fait que j'ai l'armure ici. On passe de 47 à 54. Donc 7 de défense de plus. Pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. C'est sûr que ça c'est avec une armure de magie. Si j'utilise une armure de range, on va en avoir un peu plus. Ben oui, toutes les affaires de vie sont tout en bas. C'est quoi cette histoire là? Oh boy, alright. Out. Ouais, il va nous falloir des nouveaux minions. Parce que les grenouilles, c'est sûr que les grenouilles fournissent plus, ça c'était sûr et certain qu'elle est plus. Il me semble que je fais pas beaucoup de mal. J'ai quand même une très bonne arme de magie. Et j'y fais quasiment pas de mal. Donc il va falloir qu'on repense à notre stratégie. Mais ça sera pour une autre fois. Alors tout le monde, c'était Markcraft et je vous dis à la prochaine. Salut!